Donc, ce qui t'est arrivé est intéressant pour tout le monde. Donc, dans le gabarit, pour le bouton ici de retour à la maison, à la table des matières, quoi. Dans la programmation du bouton, au niveau du zoom, à la place de hériter du zoom, il était indiqué taille réelle chez toi. Ce qui fait que quand tu revenais sur la première page, elle s'affichait très grande, elle changeait de taille par rapport aux autres pages. Donc il faut bien rester en hérité du zoom. Donc le facteur de zoom sur la page dans le PDF interactif reste le même quand on passe d'une page à l'autre. Ça vient de là. Enfin, comme ça, vous voyez à quoi ça correspond, cette fonction hérité du zoom.